Voici notre horoscope de la semaine du 22 au 28 janvier. Bélier, le climat astral de cette semaine, une semaine bonne sous tous les aspects. Attention cependant à l'attention que vous allez apporter à votre partenaire, les béliers. Côté sentiments, cette semaine, si vous êtes en couple, vous allez devoir faire preuve de souplesse. Tâchez de ne pas être trop susceptible car votre moitié ne vous ménagera pas. Pour les célibataires, Mars sera de la partie et vous poussera à faire des folies et accepter des propositions que vous n'aviez jusque-là jamais supportées. Taureau, une semaine placée sous le signe de l'énergie, de la bonne humeur. Sachez vous organiser de petits temps personnels, mais surtout sachez aussi en laisser aux autres, les taureaux. Côté sentiments, les couples risquent de vivre une petite période un peu tendue cette semaine. Chacun a besoin de son espace vital et de ses petits moments d'intimité et n'hésiterez pas à le faire sentir à l'autre. Laissez-lui de la liberté et vous ne vous aimerez que davantage. Pour les célibataires, le tout début de la semaine est marqué par une rencontre tonifiante. Ouvrez grand votre cœur car l'amour risque bien de frapper à votre porte. Gémeaux, une semaine pleine d'énergie vous attend. Elle est placée sous le signe de l'envie et de la motivation. Les couples vont roucouler cette semaine. Vous aurez envie de redécouvrir les joies de la séduction et montrer à votre moitié qu'elle est toujours au centre de vos pensées, à chaque instant. Pour les célibataires, ce sera l'occasion de faire le point sur vos amourettes passagères et de faire un petit peu de nettoyage. Et oui, de temps en temps, il faut. Cancer, une semaine où vous aurez envie de sortir de la routine vous attend. Vous aurez envie de nouveautés et d'imprévus. Cette semaine, vous aurez du mal avec le train-train quotidien de la vie de couple et votre relation risque d'en être grandement affectée. Vous vous débrouillerez pour décharger toutes vos tâches quotidiennes sur votre moitié, ce qui ne fera pas tout son bonheur. Pour les célibataires, une rencontre intéressante pourra pointer le bout de son nez, mais attention, ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Chez nos amis les lions, cette semaine est fantastique, vous êtes le signe fort les lions. Mercure est avec vous cette semaine et favorisera l'entente harmonieuse de votre couple. Vous échangerez beaucoup et vous serez sur la même longueur d'onde. Côté célibataire, votre pouvoir de séduction sera renforcé et vous pourrez aisément en jouer. Un peu d'humour et le tout est joué. Chez nos amis vierges, vous auriez presque pu être le signe fort aussi de la semaine, tant elle sera douce avec vous. Mais le signe du lion vous a coiffé au poteau. Ce sera tout de même une excellente semaine. Mercure est avec vous et favorisera l'entente harmonieuse de votre couple. Vous échangerez beaucoup et vous serez sur la même longueur d'onde. Côté célibataire, votre pouvoir de séduction sera renforcé et vous pourrez aisément en jouer. Un peu d'humour et le tour est joué également. Balance, une semaine pleine de joie vous attend. Si vous êtes en couple cette semaine, Mars sera de la partie et renforcera l'attrait sentimental que vous éprouvez l'un pour l'autre. Le bonheur vous habitera toute la semaine et vous vivrez de beaux moments de complicité. Pour les célibataires, le coup de foudre n'est pas loin. Vous risquez de bien perdre la tête et de voir votre cœur s'envoler, les balances. Scorpion, vous faites partie des signes en bon aspect cette semaine. La semaine sera douce et heureuse. Profitez-en bien. Côté sentiments, les couples profiteront de l'aspect intense de Vénus qui favorisera l'harmonie. Rien à signaler pour les célibataires, les choses se compliquent. Vous souhaitez rencontrer l'amour, mais vous ne souhaitez pas abandonner votre liberté. Être en couple ne signifie pas en prison. Faites le point avec vous-même et laissez-vous aimer dans les règles de l'art. Sagittaire, une semaine avec de très bonnes énergies vous attend et vous pousse à vous dépasser. Cette semaine sera placée sous le signe des bonnes énergies. Les couples se trouveront renforcés et la communication sera grandement facilitée. Pour les célibataires, Jupiter entrera dans la danse et vous permettra de faire de délicieuses rencontres, dont une qui vous marquera tout particulièrement. Capricorne, vous faites preuve d'audace et vous avez envie de mener à bien certains projets. Laissez en attente votre volonté et votre enthousiasme. Vous ouvriront les portes de la réussite. Donc, c'est plutôt côté professionnel que vous avancerez
Mais côté sentimental, vous avez besoin de nouveautés dans votre couple. La routine vous mange. D'un autre côté, vous vous complaisez dans ce train-train quotidien qui vous convient parfaitement. Attention à ne pas laisser mourir le désir. Célibataire, vous êtes encore une âme esseulée, mais cela ne devrait pas tarder à changer. Vous ferez la rencontre de la personne dont vous avez toujours rêvé. Verseau, vous vous sentez revivre cette semaine, le soleil entre dans votre signe et vous apportera du bien-être. S'il pouvait rentrer aussi dans le climat, ça nous arrangerait. Bon anniversaire, les Verseaux. Vous avez une irrésistible envie d'évasion et de passion, mais votre partenaire n'est pas toujours sur la même longueur d'onde que vous. Faites-lui partager l'intensité de votre amour pour accorder à nouveau les violons. Célibataire, une belle surprise vous attend cette semaine, des fleurs, une déclaration à l'improviste. Bref, une belle histoire d'amour en vue. Et chez nos amis poissons, vous déborderez d'énergie et vous avez envie de partager votre enthousiasme dans votre vie sociale. Vous irez au-devant de vos nouvelles connaissances. Quelques tensions dans votre couple pouvant aller de la bouderie à la rupture, attention, accrochez-vous et veillez à ne pas faire tout chavirer en raison de réactions beaucoup trop démesurées. Célibataire, une rencontre qui stabilisera votre vie et sur votre chemin, sachez saisir votre chance, les poissons. Si vous voulez connaître votre avenir avec de vrais professionnels, rendez-vous sur mon site au www.voyance-allojudith.com. Cet horoscope vous a été présenté par mes soins et offert par Malingo. Je vous souhaite pour ma part une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine.